Hello les petits chats, hello à tous, comme vous l'entendez, un nouveau son de nouvelle musique. Musique ? Musique ! Une nouvelle musique pour un nouveau jeu qui s'appelle Monster Hotel. Je l'ai découvert aujourd'hui, je tombais sur un site qui était sympa, où il y avait pas mal de petits jeux, je pense qu'on va en tester plusieurs. Et celui-là, c'est de gérer un hôtel en fait, avec un petit chat chaminou très très mignon, qui ressemble à mon petit chat Dab. On va découvrir le jeu ensemble, j'espère qu'il va être cool. Bonjour patron ! Nous sommes presque arrivés à votre futur hôtel. Votre rôle sera d'assurer le bonheur de vos clients et de développer votre établissement. Mais avant toute chose, parlons du goût. Quelle couleur souhaitez-vous pour vos premières chambres d'hôtel ? Rouge. Parce que le rouge, c'est classe. Excellent choix. Oh, on dirait bien que nous sommes arrivés. Bienvenue à votre hôtel. Cliquez pour continuer. En tant que gestionnaire, votre première tâche sera d'assigner les chambres à vos clients. Ok. Il attend qu'on s'occupe de lui. Ok. J'ai des clients un peu bizarres, hein. Alors, ce symbole signifie qu'il adore les mauvaises odeurs. Il faut donc un voisin qui pue. Ok, donc on lui met un voisin qui pue. Génial. C'est énorme. Salut, voilà, t'as un voisin qui pue. Bien joué, et le bonheur a augmenté. Ok, donc lui, il est content parce qu'il pue et il veut juste vivre sa vie. Et lui, il voulait un voisin qui pue et il aime bien le feu. Ensuite, lui, bah, on va le mettre en dessous. Ah non, c'est lui qui voulait du feu, donc attendez. Donc lui, celui-ci a l'effet chaleur. Il faut donc un voisin qui génère de la chaleur. Et il générera l'effet bruit dans toutes les chambres voisines. La chaleur. Ah, lui veut partir, non? Ah bah, il est déjà parti? Ok. Bah, on te met là, toi. Parce qu'il y a la chaleur chez lui, ça a l'air d'être pas mal. Lui, du coup, on va le mettre là. Tous les deux, ils sont contents parce qu'ils font du bruit. Oula, c'est quoi tous ces nouveaux clients? Attendez, attendez, tranquille. Lui, il est parti. Lui, il a besoin de bruit. Lui, il pue. Donc, on va le mettre à côté, ils vont être contents. Lui, va bientôt partir. Lui, il chante. On va le mettre à côté de quelqu'un qui chante aussi. Voilà. Ah, il est pas content. Pourquoi? Un bonheur à moins 53, seulement certains clients sont vraiment des plaies. J'avoue! Heureusement, nous pouvons nous débarrasser de n'importe quel client en utilisant des gemmes. Ok, donc lui, je peux le virer, quoi. Oh, comment je l'ai viré de l'hôtel! Votre réserve de gemmes se trouve ici, très bien. Donc lui, il aime le bruit, voilà. Hop, tous ceux-là, ils s'en vont, ils sont contents. Ça va, ils nous donnent pas mal d'argent. Alors, un qui pue. À côté d'un qui pue. Non, on peut pas. Mais vous puez tous les deux, vous allez bien vous entendre. Votre hôtel est plein, c'est le bon moment pour ajouter des chambres, c'est vrai. Allez, on va dans l'atelier, on va créer des petites chambres. 3500 or quand même la chambre, tu m'étonnes que les chambres d'hôtel soient chères, parce que ça est un... Moi je serais pour les mettre sur la droite là. J'en mets deux. On a combien d'or? Non, on a plus assez. Ok, bon bah toi, je sais pas où te mettre. Attends, on va attendre que les autres partent. Parce que lui, il aime le son. Il est à 8 lui, il est pas très content. Toi t'aimes la chaleur. On va te mettre un pote qui aime la chaleur. Voilà. Vous deux, vous êtes bruyants, c'est cool. Et toi, tu pues, bah, tu vas aller tout là-bas, toi. Voilà. Oh, c'est quoi tous ces gens, là? Bon, partez vite. Hop. Toi, on te met là. Voilà, ils sont contents de la décoration. C'est vrai qu'ici, on n'a pas décoré encore. Hein. Je sais pas comment on décore les chambres, donc on va y aller par étapes. Allez, les petits gars, on s'en va. Nous avons envoyé un inspecteur afin de contrôler votre travail. Merci de prendre soin de lui. Ouf. Ouh, le stress! Inspection! Inspection du travail! Ce type est un inspecteur du consortium. Nous devons le satisfaire. Bonheur à 30. S'il est heureux, il nous accordera une étoile hôtelière, juste là, dessus, sous votre nom. Il débloquera aussi le nouveau contenu du jeu. Ok, donc on a... il a intérêt de nous kiffer de ouf, quoi. Ok, alors lui, on va le mettre là. Lui, fait du bon, on va le mettre là. Lui, on va le mettre là. Lui, on va le mettre là. 21. C'est bon, c'est bon. On a une étoile. Barre de fer donne plus 3 de bonheur en échange de l'argent de poche de vos clients. Vous pouvez construire plusieurs barres et ça augmente sa valeur par barre supplémentaire. Ok, donc faut faire un bar. Et entrepôt à soda. Stock des sodas. Ok. Mais ça va tellement vite que j'ai pas le temps de faire des... Ok, donc le bar à soda, faut que j'en mette un. C'est ça? Ah, c'est gratuit. Ah, c'est cool. On va le mettre où, le bar? On le met en dessous là. Ça va être sympa, un petit bar à soda au rez-de-chaussée. Et l'entrepôt, bah l'entrepôt à soda, encore plus en dessous, l'entrepôt à soda, on va pas... À côté, pas très loin du bar, quoi. Le bar, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu le mettre un peu plus haut. Bon, allez, les petits gars, là, tout le monde rentre chez lui, hop, hop, hop. Alors, on fire. Faut utiliser votre bar, vos clients ont de l'argent de poche. Et bah, n'hésitez pas à utiliser notre bar, hein. Prenez des sodas, ça nous fait plaisir, hein. Surtout, n'hésitez pas. Un petit soda par personne, voilà. On utilise son petit argent de poche, on fait péter le soda. Allez, tout le monde le petit soda, là. Allez, allez, allez. Ça rigole plus, là. Ici, le client est tellement satisfait qu'il a bonheur à 30 qu'il a décidé de libérer sa chambre plus tôt en payant le prix maximum. Ça, c'est beau. Votre entrepôt à soda est vide. Nous pouvons le remplir avec un turbo. Ah. Ok, bah, c'est parti.
Bah, je pensais pas que ça partait si vite, les sodas, moi. Ok, les potes, allez, c'est parti, on s'installe, on s'installe. On peut pas le mettre là, lui? Je sais qu'il n'y a pas une décoration de ouf, mais lui aussi, il est au max, il est content. Moi, j'aimerais bien faire des travaux dans la chambre. On peut pas faire des travaux de couleur ou autre? J'ai l'impression qu'on peut pas encore décorer. Allez, un petit soda! Allez, un petit soda! Faut être content, lui, il est au max. J'adore cette chambre! Il kiffe, il kiffe. Ok, ici, ça bosse dur, le soda. Allez, au revoir, les petits gars. Toi, t'aimes le bruit, on va te mettre là. Ah, ils sont contents, là. Moi, je sais pas, quand je vais dans un hôtel, le premier truc que je regarde, c'est pas est-ce que mes voisins sont cool, quoi. C'est est-ce que la chambre est belle, est-ce que c'est propre. Ils sont contents, ils veulent du bruit, tout ça. Ok, alors toi, on va essayer de te mettre au max avec ton soda. Voilà. Impressionnant! J'adore cette chambre! Et tout le monde fait du bruit, là, c'est n'importe quoi. Décoration, bruit, tranquillité, bruit qui pue. Ils sont contents. Ils sont contents. On a 8000, on va pouvoir faire une chambre en plus. Comment je fais la chambre? Là. On va la mettre là. Voilà, elle sera terminée bientôt. Qui s'en va, la personne? Vous deux, là, vous êtes contents de l'odeur. Allez, hop, tu vas aller là-bas, voilà. Trois qui puent, ils sont contents. Après, on va dans des chambres qui sentent la chaussette. Ça va être dégoûtant. Ça s'est un peu calmé, là. Je respire un peu plus. 43 minutes pour que ça revienne, les sodas. Hein. Donc, tout le monde ne peut pas faire péter les sodas. Ok, toi, tu peux pas soda. Allez, les petits gars, on rentre. Voilà. Bon, ça va, ils sont plutôt cool les uns avec les autres. Hein. Puis là, on a les Mister Cracra, là. Hein. Surtout, ils puent tous. Ils puent tous. Il n'y en a pas un qui pue pas. Allez, toi, prends-toi un petit soda. Voilà. Je savais que t'allais être content. Un qui pue encore. Décidément. J'ai l'impression que c'est un hôtel réputé pour les gens qui puent, quoi. Allez, on essaye de vous rendre... Oh, il avait beaucoup d'argent, lui, pour les sodas. Il est revenu avec son soda, il était 10 fois plus content, quoi. Cliquez. Bah oui, je sais, mais pour l'instant, on n'a plus de soda, les gens. Alors, nous avons ajouté une gemme à votre réserve. Ça, c'est gentil. Ah, d'accord, donc je peux en racheter un. Pour avoir un double générateur turbo. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que je me disais qu'on n'allait plus avoir de soda et que, voilà, on allait avoir des clients mécontents, quoi. Là, j'ai des sodas, ça va être nettement mieux, là. Allez, toi, tu vas là-bas. Purée. Dès que les chambres sont pleines, ça y est, il y a des gens qui débarquent, quoi. Un inspecteur a été dépêché à votre hôtel. Il doit absolument quitter les lieux avec un bonheur 30. Très bien, très bien, très bien. On se dépêche. Allez, ça part en vacances. Hop. En plus, l'inspecteur, il aime les gens qui puent, donc c'est parfait. Je vous dis, c'est un hôtel qui pue. On aurait dû l'appeler comme ça. L'hôtel qui pue. Voilà, il est content. On va lui servir un petit soda. Il va au bar, il fait son petit tour. Il est content du service de l'hôtel. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il va pas bien? Il faut qu'il ait 30, là. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi il est pas content? Il est pas content. Prends un autre soda si t'es pas content. Ça sent pas bon, hein. Faut qu'il soit au max, là, on est pas bien. Je sais pas ce qu'il a pas aimé. Il vous donne une étoile hôtelière et verrouille du contenu. Oui, oui, mais on n'y est pas. Départ dans 29... Ah, dans 29 minutes! Oh, bah on a le temps, on a le temps. On va lui trouver des voisins sympas. Il a besoin de bruit. Il faut quelqu'un de bruyant à côté. Il aurait fallu un mec comme lui, là. Ah, bah on va le mettre là. Ça va aller mieux. Voilà. Du bruit, du qui pue. Normalement, il devrait se détendre. Voilà, on augmente le bruit. Allez, il faut qu'on ait les 30 étoiles, là. Il aime le bruit. Bah, mec, t'es entre deux personnes qui font du bruit. Je peux pas faire mieux. Trois personnes qui font du bruit et un qui pue. Ah non, lui aussi, il aime le bruit. Ah, c'est ça qui manque. Il a pas assez de bruit. Du coup, le prochain, on lui met du bruit, on le met à côté. Toi, tu pues, on va te mettre à l'autre bout du monde. Et toi qui fais du bruit, on va te mettre là, tu vas kiffer. Hop. Là, ça va tout changer, là. 22, c'est bon, on monte. Toi, tu fais du bruit aussi, on te met là. Allez, c'est parti. Voilà, ils ont besoin de... J'ai envie de bruit! Ok, donc il lui faudrait quelqu'un en dessous qui fasse du bruit. Ah, le relou! Tiens, mange ton soda, là. Ça va te détendre. Voilà, c'est bien. Et lui, 29, on y est presque. Qu'est-ce qui lui manque? Il manque encore du bruit, bruit, bruit. Bah pourtant, il est entouré de gens qui font du bruit, je peux pas faire mieux là. 29 quoi! Qu'est-ce que tu attends pour avoir ton 30? Relou! On a qui comme autre voisin là? Tiens, va t'acheter un soda toi, t'es pas détendu. Toi aussi, va t'acheter un soda, tu seras au max. Un endroit fabuleux! Allez, on lui remet un mec qui fait du bruit. Max, c'est bon. Tadam!
C'est quand même bizarre de dire que les gens dans cet hôtel veulent soit des gens qui puent, soit des gens qui font du bruit. C'est un peu particulier, quoi. Normalement, tu veux plus être calme, avoir une jolie chambre, mais bon. Nouvelle salle débloquée, la laverie. Génère de l'or en nettoyant des vêtements des clients. Esprit est tout là-haut. Cet esprit donne plus de bonheur à chaque client à la même colonne. On l'a refait. Ces esprits donnent plus de bonheur à chaque client dans la même colonne. Note, ce type de bonus ne peut s'appliquer que 4 fois. Allez, vous partez là. Ça suffit. Ah, faut que j'ajoute une laverie. Bah, ça va être sous-sol aussi, hein. Mais le bar, du coup, je regrette. Parce que le bar, au final, je l'aurais bien mis plus haut. Et plus, bah voilà, tout ce qui est laverie et autres au sous-sol, quoi. Ça va passer. Allez, tout le monde rentre à la maison, là. Hop, 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 on s'en va. Ok. J'ai utilisé un gemme sans faire exprès. Du qui pue, du qui pue, du qui pue. Voilà, on est content. Eux, ils ont besoin de bruit. Voilà. Votre réputation vous amène de nouveaux clients prestigieux. Oh, c'est un VIP. Un VIP qui aime les chaussettes qui puent. On va le mettre là, le VIP. Bah, mais ouais. Non, ouais. Qu'est-ce qu'il fait, le VIP? Sélectionnez-le. Il vous donne 3 de bonheur à tous ses voisins. Ok, bah ouais, mais là, il va pas avoir beaucoup de voisins, il est pas au milieu, quoi. Il a quelques effets particuliers, comme vous pouvez le voir ici. Amenez-le à un bonheur 30 et il vous fera gagner beaucoup d'argent. Ouais, donc il a de la thune, quoi. Ouais, bah là, il va pas être content, hein. Il a besoin de quelqu'un qui pue et j'ai personne qui pue à côté, quoi. Ah si, il y a lui. Il aime quoi? Le bruit. Ok, on va lui donner du bruit. On va lui donner du bruit, mais ouais, il est pas ouf, là. Alors, elle, on va la mettre là-haut. Elle devrait donner du bruit à tous ses collègues. On va le faire payer une petite boisson, on va lui faire son linge, on va essayer de le détendre, hein. Allez, un petit soda. Allez, tout le monde fait son linge. Ça devrait aller mieux. Chambre disponible. Vous avez suffisamment d'argent pour construire une nouvelle chambre. D'accord. Alors, chambre. Bah, on va en mettre une là, par exemple. Comme ça, lui, il sera entre ses voisins. Et ça, ça va peut-être aider parce qu'il a besoin de bruit. Donc là, il aura du bruit, là. Allez, il nous faut des gens qui font du bruit, là. Il nous faut des gens qui font du bruit. Toi, j'aurais mieux fait de te mettre au milieu. Attends. Oh, je sais pas où les mettre. Je suis pas bien. On a personne qui fait du bruit, là. Bon, il va déjà mieux, il va déjà mieux. Mais c'est pas encore l'éclat total, quoi. Allez, je fais le linge de tout le monde. J'aimerais bien colorer mes chambres, là. Je sais pas comment faire un peu de déco. Moi, je fais le linge. Ça, c'est sûr, y a pas de souci. Toi, t'as envie d'un soda, t'as de l'argent. On utilise le turbo de l'entrepôt. Voilà, on va chercher son petit soda, on est bien. Là, 38 minutes pour les prochains sodas. Va falloir sélectionner qui prend un soda. Hein. Ok, il y a des nouvelles personnes. Est-ce qu'il y a des gens qui font du bruit? Il faut absolument qu'il soit entre 2 personnes qui font du bruit, là. Donc, les prochains qui partent, là... genre toi... Ah oh, non, même pas. J'ai même pas envie de te mettre là. Toi. Voilà, elle va l'aider. Parce qu'elle, elle fait bien du bruit. Elle va aider tout le monde. Et lui, dès qu'il part... Ah, lui aussi, il fait du bruit. Donc, c'est lui, en fait. C'est lui qui nous embête, là. Toi, tu t'en vas, toi. Shit. Est-ce qu'on a de quoi construire une nouvelle chambre? 15 000. Elles sont de plus en plus chères, les chambres, là. J'ai plus d'argent, moi. Je sais pas comment faire. Allez, on fait le linge de tout le monde. Ok. Donc lui, il faut absolument quelqu'un qui fait du bruit ici. Je peux pas me permettre de mettre quelqu'un d'autre. Désolée, il va y avoir un peu d'attente. Mais sinon, ça va pas le faire. Ou alors lui, on va le congédier dans 15 secondes, ça va. Vider l'hôtel. Voilà, toi tu t'en vas, c'est parfait. Qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment la chaleur. Du coup, on va leur mettre des voisins qui ont de la chaleur. Ça, ça s'en va, ça, ça s'en va. Hop. Qui s'en va encore? Lui, on va pouvoir le remplacer. Bah, lui, il a plus de voisins, lui. Il va se sentir pas très bien, là. Allez! Toi, tu t'en vas en bas. Heureusement, ils sont pas trop exigeants au niveau attente. Allez, allez, allez! Purée, mais y a personne qui fait du bruit, là! On n'est pas bien, hein. Je sais pas quoi faire, moi. Faut bien les mettre, mais... Ils sont contents entre eux, là, mais... Moi, ça m'arrange pas mes affaires avec mon VIP, là. Personne pour faire du bruit? Bah, je vais la mettre là, elle, en attendant, j'ai pas le choix. Bah, je sais, ma pauvre, tu t'aurais aimé un peu de chaleur, mais bon. Tout n'est pas possible dans la vie. Allez. Le petit linge. Oh, mon VIP! Je veux le satisfaire, quand même. J'ai l'impression qu'il reste de plus en plus longtemps dans l'hôtel, aussi. Avant, il restait genre 3 secondes, maintenant, c'est moins ça, hein. Ils ont décidé de dormir ici, quoi. Et j'ai pas trop envie d'utiliser mes gemmes. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça, c'est un truc rare. Faut pas t'amuser à trop l'utiliser, quoi. Il reste genre 2 minutes. La nuit de 2 minutes.
Ok, alors là on a un inspecteur qui revient. C'était pas prévu qu'il soit là. Lui, je pense que l'inspecteur on va le mettre là. Comme ça ils vont s'entendre d'eux comme ils ont besoin de bruit. Oh, il a beaucoup d'argent. Tout le monde s'en va là. Ok, j'ai l'impression que lui il aime le bruit aussi. Elle, elle aime la chaleur. Elle est toute seule dans son petit coin là-bas. Bah eux on va les mettre là en attendant. J'ai pas trop le choix. C'est pas forcément... Ah ça y est, du bruit. Du bruit. Ta-da-da. C'est bon, on est max. Cet hôtel est fabuleux. Ah oui, il nous laisse quand même 750 or. Oh, 3000 or. Ah oui. Ah, il rigole pas, lui. D'accord. Bon, bah, bienvenue. C'est avec plaisir. Revenez, revenez quand vous avez besoin. Lui, il a 20. Bon, bah, là, je mets tout le monde. Hein. Je casse tout le monde, on verra bien. On va peut-être avoir notre troisième étoile. Ce serait cool. Alors, il a beaucoup de money. Voilà, on va lui donner une petite boisson. On en a plus beaucoup, mais quand c'est l'inspecteur... En fait, faut limite garder ses boissons pour l'inspecteur et les VIP. Comme ça, tu te dis, il nous donne le max, et lui, il est pas content. Il voulait avoir quelqu'un qui pue à côté de lui, et il a que de la chaleur dans les chambres d'à côté. Désolé. Il y a lui qui pue, mais il va falloir patienter un petit peu. Après, je peux toujours faire ça. On libère la chambre, et on en met un qui pue à côté de toi. Voilà. Pourquoi il râle? J'ai envie de chaleur. Il est sérieux? Purée, j'ai mis pour être content à lui et au final, la chaleur est là. Oh, la relou! Tiens, bois une boisson, tu vas aller mieux. Voilà. Les gens mécontents, faut leur donner une petite boisson. La laverie va pas bien, on n'a pas de turbo, on n'a plus de laverie. Plus de laverie, bientôt plus de boisson. Faut faire un chargement. Lui, il est content, il a son bruit. Faudrait juste remettre quelqu'un qui fait un peu de bruit si on va le jarter. Pas content. Allez, du bruit. Lui aussi, il râle, il voulait de la chaleur. Écoute, hein, je peux pas, on peut pas plaire à tout le monde. Hein. Je sais que t'as envie de chaleur, mais la chaleur, elle est là-haut, alors... Faut être patient. Allez, de toute façon, tout le monde s'en va. Tiens, on va te mettre un peu de chaleur, tu vas te détendre. Et toi, on va te mettre un peu de bruit. On sait pas ce qu'il aime, on voit que ce qu'ils aiment après, j'ai l'impression. Oh, un nouveau VIP! Oh my god! Qu'est-ce qu'il veut, notre VIP? De la chaleur! Parfait! Parfait! Il est entouré de trois mecs qui ont de la chaleur, je veux de la chaleur. Et bah, profite! Profite! T'es au max, t'es à fond, je te donne une petite boisson. J'aimerais plus de chaleur, je peux pas. Je peux pas. C'est pas possible. On a dit du bruit, hein. On sait même pas, en fait. Je dis ça, mais... On n'en sait rien. Ah bah ça y est, Max. Oh là là, on a nos trois étoiles. Et maintenant, on a un entrepôt à savon. Et un fantôme de plancher. Mais c'est fabuleux. Mais ce jeu est fabuleux. Alors, qu'est-ce qu'on peut réinstaller? Donc, on peut s'installer. Une chambre, un entrepôt à savon. Alors, je ne sais absolument pas quoi sert un entrepôt à savon. On va le savoir très vite. Moi, je vous mets tout ça en bas, hein. C'est si les gens veulent prendre un bain, je suppose. Tout est possible, tout est réalisable dans cet hôtel. On va se faire une petite chambre en plus. Je les ferai bien en haut, moi, la chambre, cette fois. Genre là. Comme ça, il y en a, ils vont vraiment être au milieu, en fait. Eh ben, écoutez, cet hôtel est pas mal. On peut vider l'hôtel, on peut faire plein de choses. Monster Hotel. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour cet hôtel. Nous avons quand même réussi à avoir 3 étoiles. Mais c'est un petit jeu, je pense, où on peut jouer vraiment comme ça quand on a 5 minutes et l'avancer rapidement, puisque vous voyez, il m'a pas fallu non plus 3 heures pour avoir mes 3 étoiles. Faut juste réfléchir un petit peu. C'est un peu de stratégie, un peu de placement. Et c'est sympa parce que les bestioles sont super mignonnes, super kawaii. Le jeu est relativement récent et ça, c'est aussi agréable. Parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai que je vous ai montré un peu des vieux jeux. Et celui-là est beaucoup plus neuf. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao !